Aujourd'hui, pour le dernier épisode de notre série chez Groupama Loire-Bretagne, je vous emmène à la découverte du job de chargé d'indemnisation auto. Constatez les dégâts, suivez-moi. Bonjour. Bonjour chérie, je suis Sonia, responsable du service sinistre automobile. Alors, il paraît que Groupama recrute des chargés d'indemnisation, on en discute ensemble. Avec plaisir, je te propose un café. Eh bien, volontiers. Bienvenue dans la vraie vie. Merci. Sonia, merci beaucoup pour le café. Je t'en prie. Sympa cette terrasse. Plutôt sympa. Bon, alors explique-moi en quoi consiste ton job, s'il te plaît. Eh bien écoute, être chargé d'indemnisation au Groupama, c'est accompagner nos clients lors de la survenance d'un sinistre. Donc en répondant à leurs demandes par mail, par SMS ou par téléphone. Mais c'est aussi leur proposer des services destinés à faciliter leur démarche. Lesquels, par exemple? La mise en conférence avec un garage partenaire. Directement. Directement, okay. Lorsque tu appelles. Et comme ça, ça permet d'avoir un véhicule de prêt et d'avoir des réparations plus vite. Génial. Bon, alors moi, tu sais, j'y connais rien, absolument rien en assurance. Est-ce que c'est grave, docteur? C'est pas grave du tout. Okay. Tu peux effectivement ne pas avoir de connaissances en assurance. Alors après, si tu en as, c'est un vrai plus. Maintenant, si tu intègres nos équipes, tu suivras un parcours de formation personnalisé. Qui dure combien de temps, à peu près? Qui dure à peu près 2 mois. Ah oui, okay. Qui est réalisé au sein du métier par des référents et qui permettront effectivement d'apprendre toutes les facettes de ton métier, mais également de donner une culture assurance. D'accord. Et alors toi, quel a été ton parcours chez Groupama? Eh bien écoute, moi, ça fait 14 ans que je suis à Groupama. Et okay. Groupama m'a permis d'évoluer au sein de 4 postes différents. Lesquels? Donc, j'ai commencé par la souscription des contrats. D'accord. Ensuite, j'ai été plutôt sur la face cachée des contrats en tant que chargée d'études. C'est quoi la face cachée? Et ben, c'est la construction des contrats d'assurance. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, j'ai été responsable d'équipe pour finir en septembre, responsable du service sinistre automobile. Bon, et moi, quelles doivent être mes qualités si je rejoins ton équipe? Eh bien, tu dois aimer travailler en équipe, okay. Tu dois être dynamique et avoir un goût affirmé pour la relation client. En 3 mots, je dirais que tu dois être engagé, réactif et rigoureux. Les deux, on assure tous les biens. Au choix, à Nantes, auto et corporel, à Landerneau, protection juridique, prévoyance et dommages aux biens. Cerise, bien sûr, sympa, elle est même venue nous voir récemment. Pas sinistre, service sinistre. Maillot jaune, premier sur la relation client, et maillot à pois, présent même dans les étapes difficiles. Empathie à l'écoute de nos clients en étant sympathique. Bac plus 2 idéalement, mais on recherche surtout des têtes bien faites. Sonia, merci beaucoup pour la découverte de ton métier. C'était avec plaisir. Bon, moi, tu l'as compris, je ne suis pas un expert en assurance. Par contre, vous avez sans doute le profil pour rejoindre les équipes de Sonia, postuler. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Bon, j'ai bien aimé cette série de jobs en immersion chez Groupama Loire-Bretagne. J'espère que vous aussi. Merci à toutes les équipes pour leur accueil. Et en tout cas, j'ai senti des équipes vraiment motivées, qui ont la pêche, la banane. Bon, j'ai toujours pas croisé Cerise, hein. Ce sera pour une prochaine saison. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker les vidéos, vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas votre ceinture pour aller bosser bien assuré. Ciao !